Bonjour, Bonjour à tous. en direct de la salle de marché de Paris Académie. Je suis en présence de Walid. Walid qui insiste beaucoup pour venir. Il est venu quand même 3 fois cette semaine. Il était sérieux. Donc Walid et moi-même, aujourd'hui, cette semaine, elle était particulière dans le sens où il y a eu un peu de bouleversement, des bouleversements que ce soit du côté US ou au côté européen. Avec les banques Avec les banques. qui ont coulé. Donc, je rentre dans le vif du sujet parce qu'on a envie de trader et ça bouge bien là, ça bouge pas mal. Et je suis actuellement sur le S&P, donc on reviendra après sur mes écrans. Je vous disais par rapport à c'est bon pour toi, t'as le code? Donc, ouais, par rapport à l'analyse, donc il y avait quelques bouleversements. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit lors du dernier live, c'est la semaine dernière, que les contrats à terme arrivent à échéance, donc sont arrivés à échéance. Et là, on passe sur les contrats de juin. Donc, on est en train de basculer tout doucement sur les contrats de juin. Donc, c'est aujourd'hui, hein. Donc, le temps que tout le monde bascule, les contrats basculent au fur et à mesure. On les bascule pas tout le temps, ils se basculent pas automatiquement, mais au fur et à mesure. Donc, il y a aussi la hausse des taux de la BCE. Hein. On a augmenté de 50 points. On a augmenté de 50 points. C'est beaucoup quand même, hein. C'est beaucoup. Moi, je pensais qu'on allait taper sur les 75. 50 points, c'est beaucoup parce que habituellement par réunion, on grimpe de 0,25, 25 points. Et ne pas oublier, il faut le prendre en compte, c'est que le 22, c'est autour de la Fed, c'est autour de la Fed, côté US, d'annoncer leur révision des taux. Walid, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Là où j'ai tout. Exactement. Par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, la hausse des taux, et aussi, Après, à la Silicon Valley, ce qui s'est passé là. ouais, Hein? la faillite des deux banques américaines, ils ont prédit qu'ils vont augmenter de 0,25 points la Fed. Ouais, en gros, mais en fin de compte, la Fed prévoit une hausse. Il prévoit une hausse des taux de un quart de point, donc 0,25, voire plus, pour le 17. Le 17, le 22, c'est le 22, le 22 mars. C'est dans une semaine. On arrive bientôt en fin de mois. Avec une inflation toujours pour la zone euro, une inflation qui diminue lentement, on est arrivé à son plus bas depuis 9 mois. Excusez-moi, j'ai mal à l'œil, je sais pas, il est irrité. Et en zone US, c'est une baisse, si on peut dire c'est une baisse, mais vraiment modeste depuis février, quoi. Donc l'inflation est toujours présente, on n'arrive pas à corriger directement, enfin comme ça soit aujourd'hui, on est plutôt dans ça vraiment. On est vraiment léger, léger sur une baisse. On n'arrive pas à renverser la vapeur pour que ça reparte dans l'autre sens. La Chine aussi réduit les ratios de la réserve pour faire quoi, à votre avis? Pour faire repartir et stimuler l'économie. Ils ont baissé de 0,25, 0,25 points, 25 points. C'est pas mal. Donc, eux, sont en train de renverser la vapeur. Pour stimuler un peu l'économie, donc ils veulent refaire partie à l'économie. Donc, à savoir que les Chinois, ils sont en Asie, ils sont en Asie, ils sont en avance sur le marché, faut pas oublier. Donc, peut-être que demande-lui, c'est le on entend le micro là? Parce que le micro, il est où? On vous entend très bien. Ouais, c'est bizarre.
Donc, c'est vrai que tu as pensé à. Excusez-moi. D'habitude, on a un gros micro ici. On a un gros micro et je me dis, bah, il est où? C'est vrai qu'il est où? Walid me dit, où est le micro? Donc, si on a fait des progrès dans la technologie et un micro caché quelque part, on ne sait pas. Donc, prenons en considération que c'est que le dollar, il a reculé aussi également, il a baissé à 1,06. Il avait fait un pic à 1,10 et il est redescendu et il revient. Donc, tout ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon pour l'économie. Pourquoi? Parce que c'est des signes de récession. À savoir que le pétrole, il plonge pour le WTI à 66 dollars, pour le Brent à 70 dollars. C'est du jamais vu, hein. Ça, c'est des signes de récession. Donc, je vais pas dire de on croise les doigts, mais ouais, c'est délicat. On est dans une conjoncture assez spécifique. C'est pour ça que j'ai parlé d'une semaine spéciale. Donc, une hausse en fin de compte, pour ce qui concerne le pétrole, bon, on espère qu'il y ait une hausse de la demande. Pour le gaz, il retombe, il rechute. Il est reparti toucher le support qu'on avait dit la fois dernière. Mais cette fois-ci, faut pas le reprendre, faut pas le reprendre parce que là, actuellement, il est en train de presser le support. Donc, je vous conseille de pas rentrer et de pas le prendre, tout simplement parce que c'est assez risqué. À savoir que les marchés sont pas dans les meilleures conditions. Donc, tout ce que je viens d'évoquer augmente des risques de récession, des turbulences dans le secteur bancaire aux US, qui augmentent des risques sur l'économie américaine. On considère que tout ça, ça sujette vers la récession. N'oubliez pas, toujours regarder derrière soi. Et penser aux récessions passées, celles de 1990, celles de 2001, 2008 et 2020. Ils ont tous été accompagnés d'un choc. L'invasion du Koweït, l'invasion d'Irak, les attaques terroristes du 11 septembre, la faillite de Lehman Brothers, et pour la dernière, c'était le Covid-19. Donc on avait un masque et puis donc voilà. Pour les trois premières que je viens de citer, 90, 2001, 2008, avec les subprimes, l'économie déjà elle était faible et le choc était déjà présent. C'était vraiment la goutte qui fallait pour que ça éclate. Donc c'est il faut vraiment pas oublier ce oublier ce détail-là parce que rien est au hasard et une crise y a le début y a une crise avec des y a action-réaction tout simplement. Chercher les mots, mais action-réaction donc il y a quelque chose qui a causé ces crises-là. On était à la limite de la récession et il a suffi d'une étincelle pour que ça explose, tout simplement. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est on est dans une conjoncture assez spécifique, je dirais, on est dans une poudrière qui pourrait éclater à tout moment. Savoir que les banques, ils ont emprunté 164 milliards de dollars à la Fed. Pourquoi? Pour quelle raison, Walid? Pour réinjecter Pour la garantir de la liquidité. liquidité. La liquidité, ce qui permet de subvenir aux besoins aujourd'hui. FedEx prévoit à la hausse ses objectifs. Donc, au lieu de penser à la baisse, parce on est dans une conjoncture où, on devrait perdre des sous. Hein. C'est vraiment le cas. La Fed et la BCE font
font nécessaire pour. Donc, on augmente les taux pour qu'on consomme moins. Donc, il y en a d'autres qui prévoient la hausse. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Les investisseurs continuent de miser sur une fin prématurée des hausses des taux de la BCE. C'est-à-dire, on est dans une incertitude. Vous voyez, on continue alors qu'il y a des risques. Moi, je dirais que c'est risqué. Qu'est-ce que tu en penses, Walid? Si réellement tu stabilises pas, je sais pas comment l'interpréter. Ben, il faut réagir. C'est ce que fait la Banque centrale. La Fed et la BCE, c'est ce que font aujourd'hui. C'est leur rôle, hein, de réguler, de voir ce qui ne va pas et de trouver des solutions. J'ai même vu que sur BFM Business que ça que Société Générale et Boursorama bon, qu'ils ont perdu 60%. Ils se sont retirés des marchés européens. Oui, la conjoncture n'est pas bonne. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les investisseurs restent sur le marché alors que c'est pas conseillé. Il faut se retirer. Il faut vraiment se retirer. De toute façon, celui ou celle qui mise aujourd'hui sur du long ou autre chose, bah c'est des cadeaux que vous faites à d'autres, des investisseurs de grosses puissances du marché financier à qui vous allez faire des cadeaux pour un sac Louis Vuitton pour les petits particuliers et puis pour les plus grosses. Les plus gros, voilà, c'est son petit jet privé, c'est son petit carrosse, sa petite voiture de sport pour le dimanche, etc. C'est ce que vous allez faire. Donc moi, je vous demande d'être prudent. On est dans un marché qui est tendu, on est à la limite d'une récession. Si vous regardez un peu les infos sur Bloomberg ou Investing, sur le site d'Investing, vous allez voir que on parle de récession, on parle de faire attention, qu'on est au bord du gouffre. Ça nous rappelle les dernières crises que je vous ai citées tout à l'heure. Faut pas oublier que le trading, c'est un métier et on le pratique pour gagner de l'argent. Mais avant de gagner de l'argent, il faut essayer de ne pas en perdre. Donc ça, c'est la devise numéro un qu'on vous apprend ici à la Paris Academy, Dubaï Academy. Donc, pour pas en perdre, il y a des astuces. Donc, il y a un apprentissage, comme pour tout, comme le permis, hein. On va à l'auto-école pour apprendre à conduire. Donc, pour les personnes qui apprennent le trading chez eux, c'est bien de s'initier, d'avoir les bases, mais à partir de là, il faut s'entourer des personnes adéquates pour apprendre. Aujourd'hui, je vais trader moi sur le S&P, sur le S&P. Pourquoi le S&P? Parce que, bah, comme je vous ai dit, moi je suis plutôt Nasdaq habituellement. Mais ces derniers temps, vous voyez que c'est un peu spécifique. Le marché, il est bien spécifique et un peu dangereux. Donc, je préfère me rabattre sur un marché qui bouge un peu moins, malgré mon expérience. C'est ce que je vous conseille aussi. Faites de même. Évitez de perdre votre argent. Moi, je suis là pour en gagner. Je ne suis pas là pour en perdre. Et je ne veux pas perdre mon argent, tout simplement. À savoir que les personnes qui tradent aujourd'hui, chez nous, à la Paris Academy ou à Dubaï, ce qu'on leur apprend, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On leur montre par A plus B que ça fonctionne. Donc, on trade devant eux et on passe des heures devant eux. Donc, ils le voient que. Ce qu'ils apprennent en formation, il y a du résultat et du concret. D'ailleurs, Walid est là. Aujourd'hui, tu veux nous parler de la technique La technique, que tu as appris récemment exact. Que j'essaie d'expertiser un pour maximum. sécuriser un peu. Je vous ai dit la semaine dernière qu'on avait parlé de quelques positions qu'on a appris à Walid récemment. Donc, Walid est toujours sur l'apprentissage. C'est un trader indépendant, mais
Il est là pour prendre des infos et puis il est à l'écoute. Et il est sérieux surtout. Donc voilà. Je vais vous faire un petit point sur les indices. Les indices en euros pour le DAX, on est en baisse de 0,19. Donc on est sur du short aujourd'hui. L'Eurostox, pareil, à 4002. Donc actuellement, depuis quelques temps, on est en baisse. Et pour la zone US, le S&P il est en baisse à 3960,75. Et le Nasdaq, on revient à son niveau. Donc à 12715. Les marchés sont indécis à cause de quoi? Walid, je te pose une question. Les marchés sont indécis pourquoi? Marché US. Déjà, ils ont décalé de. Ça cause du 22. Du 22. On attend la décision de la révision des taux. Donc, c'est pour ça qu'on ne comprend pas trop un peu comment ils raisonnent aujourd'hui. Donc, il faut être méfiant, il faut être patient et il faut attendre l'opportunité, le moment adéquat pour prendre quelques tics et se retirer. N'oubliez pas, plus on reste longtemps sur le marché, plus on passe des ordres, plus on prend des risques. Donc, un bon trader passe quelques trades, quelques positions pour gagner. Donc, on est là pour gagner. On n'est pas là pour essayer de gagner. C'est la nuance. Et quand on fait, on n'essaye pas, on fait. Donc, voilà. Donc, pour moi, j'ai fait un petit tour sur ma petite minute, hein. Petit rapport. Walid, si tu as quelque chose à ajouter avant de commencer Surtout, il faut plus passer du temps à analyser ces graphes que trader. C'est important. Oui, c'est important. Donc, pourquoi c'est important? Parce que vous êtes là pour parler trading, de parler de ma vie privée, ça ne vous intéresse pas, de parler de course à pied, ça ne vous intéresse pas non plus. Mais par contre, le sujet sur lequel vous êtes connecté, c'est le trading. Donc, je vais apprendre quelques conseils, savoir trader, anticiper sur quelques gestes qu'on a pu dire ou pu remarquer. Donc tout ça, c'est des petites choses. Pourquoi vous êtes connectés? Nous, on est là pour vous conseiller. N'oubliez pas que le live est vous connectez à titre gratuit. Pour quelle raison? C'est parce que vous voulez apprendre. Et l'apprentissage, c'est une richesse. C'est une richesse. Moi, en vous apprenant, je ne perds rien de mes capacités. Je continue à être autant compétent que je le suis avant de vous donner les conseils. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à venir nous voir. On est ouvert, notre salle de marché est ouverte à tout le monde. Donc, du lundi au vendredi, 9h à 18h, on est ici. Donc, même moi, si je ne suis pas là, vous allez trouver mes collègues dans une petite équipe. Donc, il y a toujours du monde à la salle de marché, celle de Dubaï également, en simultané. Voilà. Donc, moi, je vous propose une chose, c'est de passer sur le marché. Sur le S&P. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et moi, je vous réponds au fur et à mesure. OK? À tout de suite. Walid, tu es sur quel marché? Là, je suis sur le S&P. Le graphique sur une minute. Tu peux parler un peu plus fort? Il y a des muets. Hein. Là, je vois qu'il a pris la 3940. Pour le faire rappeler, je suis dans le marché américain, dans les S&P. Le marché, depuis tout à l'heure, depuis l'ouverture, il est en bas. Ouais. Le marché est en train de plonger depuis ce matin. Donc, ton scénario, c'est quoi, Walid? Mon scénario, c'est d'essayer de faire un. Voir s'il va casser les 3999. J'ai un grand support. S'il le casse potentiellement, je pourrais le.
En fin de compte, aujourd'hui, il faut faire attention. Vous voyez là, vous êtes sur mon écran. Il y a deux supports. Il y a deux supports sur lesquels il faut faire attention. C'est celui-ci, à 3932,25. Et il y a celui à 3919. Donc, ces deux-là. Il faut faire vraiment attention à ces deux-là. Donc, il faut être patient, observer et rentrer au bon moment. Donc, rentrez pas pour rentrer. Donc, on rentre, on essaie d'être précis. On est là pour prendre du dollar. C'est-à-dire, on rentre dans le vert. Je ne veux pas qu'on rentre, qu'on soit dans le rouge et puis qu'on revienne dans le vert. Ça peut arriver parce qu'on l'a anticipé. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais à la Par Academy, on vous apprend à prendre des positions pour être précis. Donc, ça ne vient pas du premier coup, mais à force de répéter, à force de le faire, tous les jours, vous faites votre analyse fondamentale, technique. Je vous demande de retracer vos supports, vos résistances tous les matins. Vous pouvez demander à mes collègues, enfin, aux apprenants. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours, vous répétez jusqu'à savoir le faire tout seul. Et en le faisant tous les jours, on s'améliore tous les jours. Voilà. Bah, vraiment, si on passe ce cap-là à 3940, on voit qu'on a on a à peu près 380 lots en attente qui n'ont pas encore été exécutés. Donc, si on le passe, on pourra se projeter à vendre au support. Ce qu'il est en train de vous dire, hop. Donc vraiment, s'il passe la cotation, on va essayer de voir comment il va réagir. S'il se fait repousser ou s'il se fait si c'est passé par cette cotation. Voilà, comme ça vous voyez un peu mon carnet. Attendez, je suis en train de faire quelques petits réglages rapides. Voilà. Hop. Donc là, on est sur un temps de minute assez court d'une minute. Donc, j'ai aussi ici toujours un graphique sur 15 minutes. Et vous avez ici aussi, je travaille avec sur du H4, sur du 4A. Donc là, ça me permet d'avoir la tendance globale. Et vous voyez que c'est une tendance baissière depuis un petit moment. Donc, pour les novices, on trade au carnet d'ordre, donc ce que vous avez à droite, sur des contrats futurs. C'est des contrats à terme. Et on n'est pas sur de l'intraday, on n'est pas sur du swing, on est sur du scalping. Du scalping, c'est-à-dire, on va découper la partie sur laquelle on veut travailler, on veut bosser. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la volatilité. On ne cherche pas à rentrer dans les ranges où ça part dans les deux sens. Un coup, ça monte, un coup, ça descend. Un coup, on est en long, un coup, on est en short. Il y en a bien qui sont spécifiques là-dedans. Nous, ce n'est pas ce qu'on vous apprend parce que c'est des zones où ils sont des zones indécis, quoi. Donc, même avec le carnet, là, c'est difficile de savoir dans quel sens ça va partir. Donc voilà, on découpe ces zones-là et on rentre surtout quand il y a de la volatilité. Le but, c'est d'avoir de la volatilité et du volume. Le volume qui se trouve à droite, ce que vous voyez là en rouge et bleu, là je remets à zéro, vous allez voir ici, c'est ça qui détermine un peu le volume. Donc voilà, ici aussi, vous l'avez en bleu là, sur la droite. Ce bleu-là et ce rouge-là, c'est les
ordres limite et le curseur, c'est le prix du marché. Donc, si je passe un ordre là, ça va être un ordre market. Donc, je fais des petits rappels pour certains qui nous posent des questions. Et on est là pour vous montrer qu'il ne faut pas être... Il faut sortir de grandes écoles pour savoir trader correctement. Je vous rappelle que Walid, il était étudiant. En quoi ? En e-commerce. Donc dans le commerce, rien à voir avec la finance. Et aujourd'hui, vous le voyez, il maîtrise pas mal. Il y a encore des choses à apprendre. Mais il se débrouille très, très bien. En 5 semaines de présentiel, il a fait de gros, gros, gros progrès. Donc, à l'époque, il a commencé avec Nicolas sur place. J'étais sur Dubaï, sur la session de Dubaï. Donc, au bout d'un moment, on a fait deux semaines et demie chacun. On s'est croisé. J'ai repris le relais. Franchement, il a progressé à une vitesse qui m'a surtout impressionné. Donc, en plus, là, on voit depuis une trentaine de minutes qu'on voit qu'il y a un bon range. Là. Exactement. Une trentaine de minutes. Là. Exactement. Donc, si on le casse… Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vois dans le range? On voit que à 3942, on voit qu'il s'est repoussé. C'est là où il y a eu les 325 clous en attente. Là où il y a le support. Donc là, vu qu'il y a une, deux, trois, quatre fois, il a pressé le support. On va essayer de l'attendre à quelques ticks en dessous. Exactement. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu peux nous dire, Walid? Potentiellement, il peut avoir une impulsion, ça veut dire qu'il va lâcher une mèche vers le bas et on va essayer de le prendre au pullback. Ok. Et à quel niveau tu peux parler un peu moins technique pour certains qui savent pas ce que c'est un pullback? Tu peux leur expliquer? Je vais attendre. C'est volontaire les questions que je pose. Hein. Là, je vous montre. Qu'est-ce qu'il a pris en 5 semaines? Donc, c'est des questions. C'est pas des questions pièges. C'est que vous voyez un peu qu'il n'est pas en train de préparer son contenu. Mais là, je pose des questions au hasard et ça va vous permettre pour certains qui sont novices dans le domaine de comprendre qu'est-ce qu'un pullback. Alors, le prix qui est à 3941. On voit réellement qu'il est passé devant. Tu peux le montrer avec ta sourire. Ma souris. Après, ici. Voilà. Et tu peux mettre un petit cercle pour le montrer. Voilà, c'est ici. Hein. Il vous parle de ça. Donc, dès lors qu'il va passer ce prix, cette cotation, on va le laisser partir parce que il va descendre violemment et quand il va revenir à ce même niveau de prix, là, potentiellement, on pourra le prendre. Donc, on contrôle le terme. Ton marché va se retourner. Un pullback, c'est bien ça. C'est ce qui vous dit, Walid. C'est exactement ce qui vous a expliqué. Malheureusement, il n'a pas pris en considération. Là, pour l'instant, actuellement, là, je ne le prends pas trop en considération. Pourquoi? Parce que à 3045, il y a eu retournement de situation. Exactement. Donc, il est en train de presser. Ouais, il est en train de presser la résistance. Voilà. Exactement. Là, on a la limite. Peut-être que là, on va casser parce que là, il vient chercher 51 plusieurs fois. Vous voyez, là, on est à 53 et on n'est pas loin de sortir de cette zone-là. Et viens presser tout doucement. Ben ça, vraiment, qui nous donne l'avantage comparé aux autres traders, c'est le carnet d'ordre. Parce que les autres traders, ils traitent sur quoi? Sur le graphique. Exactement. Donc, ils sont sur le graphique, ils ont quelques indicateurs, ils sont obligés d'en sortir plusieurs, du genre le RSI, etc. Et se dire, ben, voilà, là, j'ai un nuage. J'ai un nuage, voilà. Je vois que
ça se croise à ce moment-là. Donc, non, non, pas du tout. Là, avec le carnet, je sais, moi, quand ça va monter, quand ça va descendre. Les impulsions, je les lis en direct. Donc, vous voyez, les chiffres que vous avez ici et les chiffres que vous avez là correspondent à une lecture. Donc, là, elle a rechargé 126, on va aller vers le bas, là, tout de suite. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Il est repoussé parce qu'il y a quelqu'un qui s'est gâché, là. Il n'a pas. Il y a quelqu'un de gros qui est en long, là, actuellement. Et là, ce que disait Wally tout à l'heure, c'est que ça est en train de se retourner, tout simplement. Donc, ça, c'est, regardez, on est venu à 53,50 plusieurs fois. Et je vous ai bien dit tout de suite, il y avait quelqu'un qui se cachait. Regardez combien il recharge, à 195, ici. Alors que tout à l'heure, on était à 70,80. Bah là, je viens de prendre une position là. Par contre, là, vous voyez que là, ils mettent le paquet pour stopper à 292. On recharge à 115, mais vous voyez, c'est plus fort, mais on n'arrive pas à renverser la vapeur. Donc, vous voyez, en fin de compte, il ne faut pas faut pas rentrer dans le marché parce que vous avez vu une impulsion. Il ne faut pas trader à l'impulsion. Il faut observer le marché, préparer son scénario, prendre en considération son analyse fondamentale et son analyse technique pour faire le bon choix. Le carnet est là pourquoi? Pour vous dire ce que vous avez choisi, c'est bon. On peut passer notre ordre. Vous avez raison d'avoir choisi ce scénario. Le carnet, il est là pour vous dire ça. Il n'est pas là pour vous dire, bah aujourd'hui, on monte, aujourd'hui, on baisse. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Le carnet, il vous donne pas mal d'informations pour confirmer, pour confirmer le marché, tout simplement, en disant, voilà, j'ai choisi de shorter aujourd'hui. Et là, on arrive sur le prix, sur ma cotation d'entrée, sur mon point d'entrée. Donc là, vous voyez, Walid, s'il aurait pris son pullback, bah, il aurait pu attendre jusqu'à demain. Hein. Exact. Il ne serait jamais rentré. Voilà, depuis 3 minutes, le marché bouge pas. Il reste sur un niveau de prix, il bouge pas du tout. Voilà, 55, ça 25. Il est revenu au moins 3-4 fois. On va aller chercher un peu plus haut normalement. Là, je l'ai pris à sa cassure à 39,53. Je vais essayer de trader en losange. J'ai pris une deuxième position. Trader en losange, c'est de prendre plusieurs positions. Et Tu peux. alléger progressivement. Exactement. Voilà. Il a pris avec notre formateur Brahim. Brahim, the best, c'est ce qu'il veut entendre. Prochainement, vous allez le voir dans les lives. Je vais essayer de tirer un peu pour qu'il fasse des lives avec moi en binôme. C'est quelqu'un de très discret qui n'aime pas trop la caméra. On vous a préparé pas mal de petites vidéos, pas des vidéos, mais des enregistrements de trades qu'on a pu prendre, qu'on va vous mettre sur notre chaîne YouTube. Donc, là, il est en train de conseiller Walid, il est en train de le conseiller pour qu'il soit attentif. Il y a une chose qu'on avait oubliée parce que on a eu Lucas qui était absent pendant un petit moment. Et Lucas, c'est lui qui s'occupe du marketing chez nous. Il a oublié de vous envoyer les infos par rapport au concours des trois gagnants. Vous allez les avoir, je pense qu'aujourd'hui ou plus tard, début de semaine prochaine. Vous allez savoir qui était gagnant. Donc, je vais vous donner quelques indices. Il y en a un là. Je le porte là-bas. À côté de moi. Non, Et il n'est pas là. C'est vrai? Il y a deux traders qui sont là, qui sont en train de trader actuellement, mais qui sont sortis en pause. Donc, je pense qu'ils ont atteint leurs objectifs et sont sortis. Donc, Ça fait trop longtemps qu'il est là le marché.
Il est venu chercher 3-3-3-3 ce 54 là, ouais. C'est vrai, j'ai peur qu'il intègre son règne. Non, non, il va le casser. Il va le casser, il est venu 3 fois là quand même. Hein. À 54-50. J'ai peur qu'il intègre le règne. Moi, j'aurais pas pris le risque. Moi, je l'aurais pas pris. Ouais. Moi, je l'aurais sorti. Moi, il va réintégrer le règne. Je l'aurais sorti. Une fois, deux fois, trois fois, 3 minutes, 4 minutes, je sors. Là, je vais sortir, je le prends plus haut. Pour éviter de manger un retour. Tu vois comme quoi pour être concentré à mort. Non, mais c'est pas que concentré, c'est qu'il n'est pas têtu. Parce que le but, c'est pas de dire que ça va revenir. Quand vous voyez que vous êtes négatif, vaut mieux couper. Couper votre position, que plus verse. Je préfère sortir avec. Et reprendre plus haut, plus bas, pour éviter de grosses pertes. Les gens qui perdent de l'argent, les traders, soi-disant les traders qui perdent de l'argent, c'est quoi? C'est des personnes qui espèrent que ça revienne, etc. Parce qu'on a du mal à dire j'ai perdu tant d'argent et je vais les récupérer après. Donc on préfère attendre que ça revienne. Il ne faut pas faire ça. Ça, je le déconseille. Totalement. Quand vous avez une perte, la chose à faire, c'est de couper. Vous avez c'est pour ça qu'on vous demande de trader avec un stop loss et ne pas trader comme ça. En plus, donc, j'ai eu raison de sortir, ils ont une grosse impulsion. Mais moi, vous avez remarqué que moi, je ne suis pas rentré et je ne rentre pas dans ce genre de marché. Vous savez pourquoi? Parce que je ne prends pas de risque. Je préfère attendre mon scénario. Dès qu'on arrive dans mon scénario, je prends mes petits mes tics et sans risque. Et je clôture et puis je regarde mon petit PNL, je me fais plaisir et je vais aller prendre un café. Voilà comment je vois la vie, aussi simple. Et j'ai pris trop tôt à l'état. Ouais, complètement. Juste c'est pour ça quand je l'ai vu. T'as une bonne lecture. Mais pressé. Il a pété par le haut, il a peut-être recherché le haut. Mais c'est pareil pour le pullback, il était pressé. Ouais. Là, je pourrais le. Non, mais c'est peut-être pas y aller. Non, il va peut-être pas y aller là. Mm. Ouais, déjà, s'il va chercher son support, tu le reprends pas. Ça va? Tu veux venir dire un petit coucou? Un raid, là, je pense que ça veut dire sa chose. Il est revenu. Un peu timide, mais on va vous envoyer quelques photos. Quand ça casse un niveau comme ça, il faut vraiment une vraie confirmation. Là, c'est plus rapide. Maintenant, il faut voir où est-ce qu'il va pousser jusqu'à où il va presser. C'est vraiment que j'ai considéré ces ranges-là. Ouais, c'est vous ça. Voyez, si tu regardes de loin, bascule. Ouais, c'est à partir d'ici la résistance. Maintenant, on regarde juste est-ce qu'on a bougé de niveau ou pas. Est-ce que maintenant, il va rechercher le. Ah, tu vois, il sent du fioul. Là, je vais racheter ça. Ça fait une belle figure, chartiste. Vous voyez, là, on a 358 lots qui sont ici en attente. Et là, on en voit, alors que là, ça commence à recharger, vous voyez, pour repartir dans l'autre sens. Il faut être patient, là, pour le moment, non. On est venu chercher une mèche ici à 3942. Vous voyez, et c'était repoussé de l'autre côté, c'est qu'on ne veut pas aller plus loin. Et vous voyez, c'est pas la première fois qu'on vient dessus. Hein. C'est pas la première fois. Donc là, on a 43,25, 3943,25. Il est venu chercher deux fois. Et on l'a cassé. Hop. Hop, on est descendu au plus bas, là, 3942,75. Je laisse ma souris pour que vous puissiez voir. Là, vous voyez que ça recharge ici. Donc, on va aller pousser vers le haut. Cent quatorze, 151. On pousse vers le haut. Mais là, ça recharge, vous voyez. Il y a un vendeur qui pousse. Mets ton écran là-bas. Comment? Juste ton écran là-bas. Ici? Il n'y a que ça qui est affiché, ouais. Tu viens de te réveiller, Lucas? Non. Si, tu viens de te réveiller. C'est depuis tout à l'heure, j'ai changé. Tu m'as dit que c'était ici. Tout à l'heure, je parle dans le vide. Donc là, on va au plus bas. Là, je vais prendre son. Après, je le surveille. On ne va pas reprendre, je pense. Mais ouais, je ne vais pas suivre. Parce que si je suis, je ne vais pas suivre.
Non, non, il va venir chercher. Attends, il va venir chercher. Mais là, comment tu peux trouver son les 4 heures avec les unités de temps et tout ça? C'est même pas ton nom, c'est bon. Je trouve ça important. Clone, pour le café. Voilà, venons à 15 minutes, il fait 24 heures aussi. 24 heures. Le nom du range. Voilà. 250, 239. Prenez pourquoi je prends de l'autre sens, je sais très bien. Tu as neige ou sur la déjà 35. Je suis en correction. Donc vous voyez qu'on a touché 39,75 plusieurs fois. À 40,25, il est venu une fois le chercher. Tu as encore marqué? Non. Oui, parce que j'ai à 40, il n'y a pas de chance. C'est pas sûr. En fait, tu ne donnes pas de quelques points de travail. Ouais, tu me laisses travailler et au moins ça te met en sécurité. Et quand tu es sur une zone qui est un peu tendue, tu pourras sortir rapidement. Tu vois. Et tu pourras sortir sans perdre. Là, en faisant ça, regarde, tu as déjà en perte. La zone de travail. Sois patient, juste patient. Je disais, c'est ce que je disais la dernière fois aussi. Hein. Il faut être patient. Tu dis qu'elle n'est pas venue chercher, regarde. Elle est venue chercher. Ah, bien sûr qu'elle est venue chercher. Il faut comprendre qu'on est arrivé ici, on était freiné. Il y a une théorie de dos que vous voyez ici. Donc, vous la voyez là, une théorie de dos. Donc, c'est pour ça que j'ai pris en correction, malgré qu'on soit en short. Mais j'ai vu que ça avait freiné. On est arrivé vers le plus bas de la journée. Donc, j'ai fait le nécessaire pour sécuriser ma position et je suis rentré à ce moment-là. Donc, vous voyez, 43,25, il va le casser parce que ça fait 4 fois qu'il vient le chercher. Et malgré qu'il pousse à 124, 108 ici. Mais tu vois, tu n'es pas sûr de venir chercher les plus hauts. Target à 48. Il a l'acheteur, il pousse. Il pousse l'acheteur. 43,50, ouais, l'acheteur, il pousse, ouais. Ils n'ont pas fini ces élèves. Ah, ils n'ont pas fini. Là, on a un acheteur qui est assez costaud, hein, qui est caché ici, qui a pris plusieurs lots, donc il ne veut pas se montrer et fatigue le vendeur, malgré que le vendeur il envoie. Hein. Tu vois bien que tu n'as rien, tu n'as même pas de cloche à droite, hein, du tout. Ben oui. Vous voyez un peu qu'il est en train de pousser, hein. C'est ici que tu dois être, j'ai assez de ouais, donc l'acheteur, à 42, il ne le lâche pas, hein. Il veut pas que ça aille plus bas. Donc la lecture du carnet, ça se fait avec le volume et puis avec les ordres limites, ce qui vous permet d'avoir quelques infos, beaucoup d'infos, pour prendre des décisions et prendre des trades sans prendre de risques. Vous voyez là, je vois que l'acheteur ne veut pas descendre plus bas que 43, 42, 75. Il m'a sorti avec 28. Oui, il pousse, hein, le vendeur pousse, mais l'acheteur, il y en a moins. Et l'acheteur, il n'a pas le tour. Il arrive à absorber
la poussée, l'agressivité du vendeur. Hein. Si, si passe les 41, quand même, ça pourrait. Pour l'instant, il n'y a rien qui. Pour l'instant, sur ton trade-là, il n'y a rien qui va te faire peur. Il est lent, ton marché est lent, et ça s'échange, ça s'équilibre. 41-75, on revient à 42. Il n'y a rien qui fait flipper. 42. Laisse-le travailler. Trois fois. Hop, voilà. Quand je dis trois fois, c'est parce qu'il est venu chercher trois fois. Deux fois, voilà, une fois, deux fois. On est sur une zone, on est sur une zone proche du support. Et ton acheteur n'arrive pas à remonter le marché. Malgré qu'on est sur sa zone, on est sur les prix où lui, il veut acheter. Et il ne remonte pas le marché. Ça veut dire que le vendeur, 43, il vient de presser à son support. 43-75. Il est sur son terrain. Tu vois, c'est comme s'il est sur son terrain, le fait. C'est vrai que ça fait quelques minutes, mais sois attention. 113, 106, 128. Là, vous voyez que ça recharge. Hein, et c'est pour ça que ça grimpe. Voilà. C'est ce que je disais à l'instant. Et là, c'est parti. 45, 3 fois. On va grimper au-dessus. Équivaut. Vous allez voir une agressivité à un moment. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est en train de monter progressivement. Quand là, c'est une bougie pleine qui est en train de monter et c'est pas une mèche. Et vous le voyez sur votre graphique. Hein. Ce que je dis, c'est bien ce que je vois sur le carnet. On est venu chercher deux fois. Mais vous voyez, être patient, ça paye. Moi, vous voyez ici. Je vais sortir à 48. Vous voyez, regarde, à 48, ça freine. À 48, ça freine. C'est pour ça que je suis sorti. Je vais vous montrer mon PNL. J'ai observé, j'ai fait mon scénario. C'est vrai qu'en quelques minutes, vous pensez que ça fait quelques minutes que j'ai pris... quelques dollars en peu de temps, mais ça fait un moment que j'observe le marché. Donc là, en une position, en ordre, j'ai pris 500 dollars. Donc c'est pas mal en ordre. Donc vous voyez, je suis pas sorti au hasard, je suis sorti ici à 48, à ce niveau-là. Et vous voyez que ça bute. On est toujours dans la zone. Hein. Regardez. Donc voilà. Voilà. Donc, tu peux expliquer un petit peu ce que Brian t'a appris. Ah, de trader en losange. Exactement. C'est de la gestion de position. Trader en losange. Donc, c'est pour sécuriser ses positions. Et les sortir au fur et à mesure, l'un derrière l'autre, avec un laps de temps entre les positions. Donc, dès que le marché va nous le permettre, je vais demander à Walid, qui a appris cette technique depuis peut-être 3 semaines, je crois, à peu près, c'est ça ? Ouais, 3 semaines. Il est encore en phase d'apprentissage. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on lui a déjà enseigné. Voilà. Donc,
C'est quoi ton scénario? Tu attends quoi? Le scénario, j'attends qu'il. Tu l'as vu le pullback là? Ah, t'as vu que je suis sorcier, Walid? Ici, à ce niveau-là. Sorcier. Et Le regarde, poil, comment c'est redescendu? ça a ralenti. Regarde, t'as une mèche qui est partie dans l'autre sens. À ce moment-là. Vous voyez, j'aurais gardé ma position. Regardez, on est toujours dans les alentours de 48. On aurait fait du sur place. Et là, on redescend vers le bas. Donc, quand on vous dit qu'il faut préparer son analyse et faire le nécessaire, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc pour moi, je pense que ça va être le seul trade de la journée. On est dans une zone qui est inconfortable. J'ai pris quelques positions, j'ai sécurisé mon entrée et la sortie pour éviter de prendre des risques. J'ai continué à dialoguer avec vous en live pour vous montrer un peu que je suis serein et que je prends des positions en direct devant vous sans prendre de risques. Ce que je vous ai dit, c'est que j'ai maîtrisé, en plus j'ai pris sur une correction. Mais maîtriser, même ma sortie, je sais où j'allais sortir. Mon stop, je sais où j'allais mettre. Et je savais où le mettre. Donc on n'est pas venu l'atteindre ni de près ni de loin. J'étais patient, donc mon scénario s'est déroulé. J'ai pris mes 500 dollars. Et je clôture de cette manière-là pour ce live, parce que là, ce n'est pas le moment adéquat pour prendre des positions. Walid, si tu as quelque chose à ajouter avant de mettre fin à ce live. Je te laisse la parole. Voilà, c'est vrai que à cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de volatilité, vraiment. On est dans une zone assez inconfortable. Exact. Dans un range qui. Bah, réellement, ma stratégie, c'est pas de trader, c'est surtout trader quand il y a de la volatilité à Mais c'est important. l'ouverture. Ouais. C'est important. Ne C'est pas trader important. quand, ouais, voilà, quand il y a des ranges ou des zones inconfortables. C'est ce qu'on apprend à la Paris Trading Academy, hein, c'est ce qu'on vous apprend. On vous apprend à avoir une forte personnalité, c'est quand il n'y a pas de volatilité, on ne trade pas. Là, c'est clair. Et d'avoir du caractère, c'est-à-dire il faut être fort psychologiquement. C'est pas j'ai perdu, je dois récupérer sur place, on va récupérer demain ou plus tard, mais il faut pas s'acharner sur le marché pour récupérer ses sous. Et en faisant ça, on fait n'importe quoi. On apprend, on vous apprend une méthode et en faisant ça, vous respectez plus rien. Le but, c'est récupérer ce qu'on a perdu. Donc, moi, je vous conseille de prendre en considération mes conseils, mes dires et de les appliquer. Vous allez voir que ça marche, que ça marche. Là, vous voyez, le marché est en train de revenir sur les jusqu'au plus bas, là, à 38. On est descendu à 38. Il est en train d'arriver tout doucement. Soit il va rebondir, soit il va casser. Et pour moi, il va juste rebondir parce qu'il est bien freiné. Regardez, ma souris, je suis juste dessus. Là. Voilà. Il a fait une mèche. Elle est repoussée. Je suis sorti comme Il est repoussé à 38, hein. après, si je pousse, Voilà. Donc, quand vous observez le marché, vous voyez un peu, vous pouvez prédire ce qui va se passer. C'est ce que je vous ai dit à l'instant. Mais écoutez, moi, pour ce live, je vous remercie d'abord. On va vous communiquer les vainqueurs du concours que vous allez voir défiler sur notre site et sur YouTube. Donc là, pour moi, ça va être terminé aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.